Et nous sommes repartis pour plus de Phoenix Rising. C'est bien de mettre trois fois plus d'accent qu'il le faut. On est reparti. Donc, entrer dans la crypte pour trouver la mélodie, récupérer le Salfpinx des mâchoires du protecteur, ça marche. Donc, on va se re-téléporter sur notre zone. On va se téléporter à côté. Puis on va faire ligne droite et si on trouve des trucs à faire pendant la ligne droite, on les fait. Bon, en gros, c'est ce qu'on va faire. Je pense qu'on va se téléporter ici, comme ça on fait 1, 2 et après histoire. Ça a l'air pas mal, ça a l'air potable. Messager trop loquace, le célèbre dieu messager, parfois un peu pénible, mais il peut s'avérer un guide utile. Non, c'est zéro utilité. Zéro utilité. C'est parti, on avance. Alors là, on a la harpe. Après, on a un coffre. C'est celui-là d'abord ? Oui. Il est où le coffre ? Ah, il est là. Attendez, on se remet. Bonjour. Ah. Voilà, vache. Ça va ? Blocage, très bien. On s'est pris des grosses baffes, mais ça allait. Ah, j'ai du mal à faire, à enchaîner le... Ah ouais, non. Non. Ouais, j'ai du mal à sortir ça en combat, quand il y a beaucoup de monde. Parce que le problème du tracking, en fait, quand on est verrouillé et tout ça, ça rend la chose un tout petit peu difficile, des fois. J'avoue. Mais on se débrouille, ça va, c'est pas trop grave, mais voilà. Des fois, je fais pas exactement ce que je voudrais, en fait. Alors, vas-y. Ennemi figé pendant 9 secondes, parade parfaite. 70% de temps avec fracassement à la hache. Ah, c'est... Ennemi figé ? Ah, on peut tester. On peut tester. Tant qu'on y est. C'est intéressant. 9 secondes, c'est beaucoup. Après, est-ce que c'est une AOE? Est-ce que c'est l'ennemi qu'on part? Je pense que c'est seulement l'ennemi qu'on part. Après, le fracassement, c'est ça. Le truc de tomber, ouais. En plus, c'est un marteau, quoi. Donc ça va bien. Ow. Vas-y. Ah, me faites chier, vous en avez trop. Ouais. Bon, vas-y. Pas mal. Hmm.
Et après le fracassement qui fait un peu plus de dégâts. Putain, merde. 900. C'est ça, hein, le fracassement qui fait plus de dégâts. Ah non, mais c'est l'étourdissement, pardon. Okay. Oui, c'est vrai que oui, c'est pas mal. Pourquoi pas faire ça? Pourquoi pas tester un peu? Ça a l'air pas mal. Alors, t'es où la lumière? T'es là-bas. Go, go, go. Mais bon. Ouais non, pour figer, oui, ça peut être marrant. De toute façon, on est tellement puissant. Je vais être honnête, on est tellement puissant, on peut utiliser un peu ce qu'on veut. On n'a pas besoin. J'ai de la compassion pour Sisyphe. Comme moi, tu l'as condamné à rester enchaîné pour l'éternité. Moi, j'aime bien l'échelle. Et il serait toujours prisonnier s'il n'avait pas tenté de faire le vieux coup de l'échange et d'enchaîner la mort. À ça, il n'y a caresse pour ne pas remarquer que sa proie n'est pas morte. Mais bon, il a libéré Thanatos et moi, j'ai condamné Sisyphe à avoir pour seule compagnie éternelle un rocher. Pas mal. Mais ouais, on est, comme j'ai dit, on est tellement... Oh. On est tellement... puissant que en fait on s'en fout un peu des armes qu'on utilise. Bah oui, alors l'épée oui elle donne des de l'énergie par contre. Donc à la limite ça oui ça on garde. Mais la hache, hein. Peu importe. Figé ça peut être pas mal. Ça peut être sympa. Donc on va faire ça. On va garder ça. Du coup, baquette. Let's go la quête. Bonjour, c'est ici la fête. J'aime bien, oui. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Sanctuaire d'Ereb. C'est ça qu'on doit faire exactement? J'ai un peu foncé. Ah, on a deux trucs. C'est quoi ça le... Avec la mélodie là. D'accord, je détecte ça. Derrière? Ah, on va s'avancer un peu. Ah mais non, on a trouvé la mélodie quoi. En fait. Ça c'est la mélodie et ça c'est la foudre. Ok. Un peu. Oh là, je fais de la merde. Là, on va se soigner. Un peu à rien de se soigner.
Voilà, si c'est que des trucs comme ça, moi j'aime bien. Pourquoi je fais le marteau à chaque fois? Bah ça tue vite quoi. Ça tue vite donc ça va. Il est où notre coffre? Ah attends. Je vois bien. Blaston souffle de bouc. On a eu un... On a eu des apparitions. Ouais, blanc et doré. Ça peut être pas mal. Mais d'accord que le fracassement c'est bien ça. Ouais, fracassement à la hache. Ah non! J'ai cru que c'était... j'ai cru que c'était sauter et taper. Je crois que c'était ça. Percussion. Ah voilà. Ce fracassement c'est juste maintenir. Ça marche. Ces inscriptions seraient de la musique. Peut-être une partie de la mélodie en hommage à Typhon. Une partie de la mélodie en hommage à Typhon. Ah bah ça tombe bien. Pas du tout ça. Ah. Cool. C'est assez entraînant. Je pense que l'hommage à Typhon est complet. Il aurait mieux fait d'engager Apollon. En plus, il est moins cher que Pan. En plus, il est moins cher. Ça marche. Je crois qu'on a fini. Je vais voir. Ouais, on a fini. J'espère qu'il y a la foudre. Ouais. Nickel. Qu'est-ce qu'on fait? On garde alors du coup le... La hache? Enfin là, le marteau? Ouais. On peut s'amuser un peu avec. Faudrait combattre un truc légendaire. Après quand je fige, je peux m'en utiliser le temps de figer pour me reculer et faire l'attaque l'attaque sprintée. Ça, c'est pas mal ça. Enfin quand je fais du 1 contre 1 par contre. Après quand il y a plein de monde c'est la merde mais ouais on peut faire ça. On peut... Hop, hop, hop. Yeah.
Elle est là. Ça va bien. On va pouvoir augmenter notre vie, je crois. Il y a quoi en bas? Ah putain. Ah saloperie. Ça m'a touché. Ça les fiche là. Ouais bon là ils vont me... Ah, après j'ai l'impression que c'est peut-être un peu plus simple de les toucher avec le avec la riposte, parce que j'ai l'impression que ça les fiche directement, parce que normalement on les repousse un peu quand on part en fait, ils ont un knockback quoi, j'ai envie de dire. Et là non, là ils sont, enfin oui il y a l'animation mais ils sont figés avant, donc ils sont pas très très loin de nous en fait. Donc ouais, c'est peut-être mieux en pratique en fait. Puis en plus ça continue de faire des dégâts. Ah mais on l'a fait celui-là, c'est ouvert. Puis en plus ça continue de faire des dégâts et tout. Genre avec l'explosion et tout. Tout ce qu'on a là. Les bénédictions. Parce que les bénédictions repoussent beaucoup, hein. On a les explosions et tout là. C'était quoi la bénédiction qui faisait ça? Non, ça c'est pour l'esquive, c'est ça, je crois. Repousse les ennemis proches, c'est ça en fait, c'est ça qui nous fout un peu dans la merde. Mais maintenant, on va figer la personne qu'on part, donc on va pouvoir la contrer plus facilement. Et on va repousser tous les gens qui sont autour. Donc, ouais, non, c'est pas mal. Puis après, y a un sous-titre qui pop de temps en temps, j'ai remarqué. Enfin bref, après les combos on les monte facilement nous-mêmes, donc c'est pas très grave. Pas besoin de... Bah oui c'était bien hein, de parer, de faire 7 de combos, mais honnêtement là c'est peut-être un peu mieux. En pratique c'est mieux je crois. Qu'est-ce que... What? Pourquoi il y a un nuage ici? Pourquoi il y a un nuage ici? C'est chelou. Ah. Je m'approche pas vraiment de ce qu'on doit faire. Là, je suis en train de m'éloigner même. Voilà. Ah putain, sprint bordel de merde. Mais aïe.
Ça, vous êtes revenu. Ah, galère des fois. Bon après, on va dire que je force un peu le sprint. Au lieu d'utiliser des potions, parce que j'ai combien de champignons? Ouais, ça va en fait. Bon, là par contre, il y a des lasers, ça fait chier. Je vais voir un peu. Ah, de rien. Très difficile. Très difficile. Je sais pas comment j'arrive à le faire. Merde, il est verrouillé le truc. Ah ouais, d'accord, il passe par là. Bien joué. Bien joué. Il faut la boîte. Donc il passe à gauche. Pas bon. Attends, peut-être qu'on va avoir une boîte directement au début. Doucement les lasers. Hein. Ok, très bien. Armure d'argent. Sympa. Ok, nickel. On peut zapper, on peut tout zapper, ça va. Là-haut, ça marche. J'en étais sûr. C'est vraiment de la merde, c'est laser quand même. C'est vraiment de la merde. Oh mon dieu, non.
Je crois qu'il faut reprendre le coffre. Oui, parce qu'on est... Oui, on est mort, c'est... Oui, oui, c'est... Une remise à zéro. C'est cette boîte qu'il faut ? Je crois. Hein. Merde ! Je vais... ça parce que je me suis loupé quoi. Ok, cool. On a déjà plus notre vie, c'est bien. Notre vie extra là. J'ai l'impression que les lasers sont un peu trop OP, non ? Je me demande ce que ça va être. Oh ! Armure d'argent du visiteur inconnu, c'est intéressant ça. Putain, ils arrivent. Ok, let's go. Nickel. Encore heureux que c'était pas trop long ou compliqué. Hein. Yes. Arès, arrête pas de parler à chaque fois. Et c'est sur cet endroit-là qu'il y a sa merde. Ah, bref. Du coup, nous, on s'est un peu... on s'est un peu... Ouais, on s'est un peu éloigné. On va refaire ce qu'on avait marqué. Et après, on va aller en direction de la mission. Très bien. Je voudrais bien combattre un truc légendaire. Ah putain. Pourquoi il y a des nuages comme ça? À des endroits bizarres. Là. Non, t'es sérieux? Ouais, t'es sérieux apparemment. Ah, mais c'est la forteresse, en fait. D'accord. D'accord. Tout autour de la forteresse, il y a des nuages. Ok. C'est pour éviter d'aller dedans. Waouh. Ça s'étend un peu loin, quand même.
Bah, du coup, on oublie en fait. C'est ça? Ouais. Ok, ça marche. On oublie pour aller dedans. Je pensais pas que ça serait ça. Qu'est-ce qu'on a aux alentours? Phoenix découvrit alors la grande forteresse d'Arès. Absolument terrifiante. Quand t'apprends qu'elle appartient à un poulet, ça fait tout de suite moins peur. C'est pas faux. Oh, tout, tu me touches 300 fois en plus, quoi. Je joue un peu plus bordélique, hein, je vais être honnête. On joue plus bordélique, mais bon, on a tellement de ressources, on a plein de potions et tout, je les utilise même pas encore les potions, hein, je rappelle. Donc, c'est pas très grave en fait. C'est nettement plus bourrin. C'est nettement plus nettement plus bourrin, quoi. Nettement moins de stratégie. Pourquoi ça a pas fait l'attaque? J'ai l'impression que des fois elle veut pas la faire. Très agaçant. Pas ça du coup. Des cailloux, je sais pas. Pourquoi j'ai des cailloux, je sais pas. Si, c'est bon, c'est ça. J'avais aucune idée en fait, mais c'est ça. Bon, on est toujours pas aussi fort que Kratos, hein, comme d'hab. Vêtements de triomphante victoire.
Très bien. Ah, dis-moi qu'on va s'amuser. Oh. Dis-moi qu'on va s'amuser. Dis-moi qu'on va combattre un machin. Non ? Bon, on va aller récupérer ça. Oh merde, c'est en contrebas. Ça doit être sur une falaise. Oh non, ça va. Eh oui, parce que j'ai fait l'attaque où... Tu m'as touché ? Comment ? Toi aussi tu me touches ? toi aussi, d'accord, ça marche. Oh mon dieu, vous me faites chier quoi. C'est frustrant. Oh. Oui. Ah, j'avoue que c'était... Quand on changeait de... Ah putain, lâche-moi. Non, le cheval. Ok. Qu'on changeait d'équipement et tout, qu'on pouvait one shot et tout, oui, ça changeait la stratégie, du coup ça devenait un peu plus simple, mais là, là c'est bordel, là. Là c'est bordel à foison, mais bon, comme j'ai dit, ça passe. Alors ça commence où le... La... Non, ok, putain, c'est la fin. On va d'abord faire le... Enfin. On va d'abord tuer tout le monde, allez. Comment ? Oh la vache, vous m'avez tous gavé. Allez, fais ton attaque, bordel. On joue de plus en plus mal. Énorme. C'est quoi ça? Une corne. Deux cornes. Ça a l'air d'être des cornes.
des dents plutôt. Ok. On va faire ça. Hop. Ok. Ça va, ça vole. Ça vole pas trop. Après, là. Yay. Ah mais c'est là en plus. Cool. Nickel. Le dragon d'Ismène était un enfant d'Arès et le protecteur de son domaine. Elle n'est pas morte à Thèbes, cette bestiole? Ah, oh, mais si! Je m'en souviens parce qu'il avait l'habitude d'amener ce petit monstre à nos dîners et qu'un beau jour, eh ben, on l'a plus entendu siffler. Il a apporté son cadavre sur l'île d'Or pour le pleurer. Ça ne ressemble pas trop à Arès. Tu es loin de tout savoir sur lui. Qu'est-ce qui leur est arrivé à ses dents? Elles ont été arrachées par Cadmos, le célèbre tueur de bêtes, puis par Jason des Argonautes. Et là où les dents du dragon étaient plantées, des soldats surgissaient du sol. La guerre des crocs, en somme. Typhon a altéré ses soldats et s'est constitué une armée maléfique. Bien là. Pourquoi Arès ne m'a pas dit qu'il l'avait apporté ici, le cadavre du serpent? Tu sais... Ce n'est pas toujours facile de te parler. Ah ben, papa aime rigoler. Bien sûr, à ses dépens. Ma foi, ça brise la glace. Non, tu glaces tout le monde. Enterre les dents du dragon, et peut-être que pousseront les mots qui consoleront ton fils, ou bâtiront une cité, comme les Spartes ont aidé Cadmos à bâtir Thèbes. Ok. Et là, entre les mâchoires du serpent si puissant jadis, se trouvait l'instrument de guerre d'Arès. Toujours au dernier endroit qu'on pense, hein? Pas vrai? Bon, j'ai la salpinx d'Arès et la mélodie en hommage à Typhon. Il est temps d'aller ouvrir la forteresse. Salpinx, c'est un vrai... Oui, non, c'est une, conne. C'est une question conne, mais je sais pas du tout ce que c'est... Je savais pas que ça s'appelait comme ça. Pour moi, c'est une corne de guerre. Enfin, non, c'est pas ça. Une trompette en fait, le salpinx, on est d'accord vu la forme de ce que j'ai vu. C'est ce que les gens sonnent pour peut-être, je sais pas, donner des ordres et tout ça. Ouais. C'est pas que ça s'appelait comme ça. Après, au final, ouais, ça fait économiser des potions d'endurance, hein, quand même. Hein. De faire de la merde. J'ai envie de dire, de jouer un peu comme un con et essayer de tout le temps placer cette attaque. Là. Ah là là, qu'est-ce qu'elle est relou à placer. En fait, elle met trop de temps à s'activer parce que il y a le dash, en fait. On est obligé de faire un dash. On peut pas... Fais voir, au clavier, c'est pareil. Ah, au clavier, c'est différent. Ah. Au clavier, c'est différent parce que c'est pas la même touche. Bah tiens, vous voyez que là, du coup, le coup du clavier souris est mieux. Parce que clavier... Alors, la manette, en fait, si vous appuyez sur X, j'ai une manette de, 300, de Xbox One, vous faites en fait un dash. Si vous maintenez, vous faites un dash plus la course. Par contre, sur le clavier, je sais pas ce que c'est le dash.
Ça, c'est le pari. Oh putain, on a même pas besoin de faire deux touches en même temps pour parer au clavier. Oh, ça tue. C'est juste le A, en fait. Donc, je peux rester sur place, en plus. Parce que là, en fait... La plupart du temps, des fois, la manette, je vais taper un peu. Elle va un peu avancer, vous voyez. Donc, clavier, c'est nettement mieux. Et clavier, en fait, il y a le shift, en fait, tout simplement, pour sprinter. Pas besoin de faire un dash. Comment on fait un dash, par contre? Dash, ça c'est menu. Comment on fait une dash? Ça c'est l'épée. Je sais pas comment on dash. Voilà, au clavier. Ah, alt. Okay. Ah ouais, non, c'est nettement mieux, hein. Ah putain, qu'est-ce que ça me... Oh la vache, il n'y a pas une option... Désolé, maintenant je suis parti dans regarder le gameplay parce que... Il n'y a pas un moyen de pas faire le dash. Étonnant quand même. Double appui sur esquive. Possible de désactiver les autres méthodes d'entrée pour l'action d'esquive en appuyant deux fois sur la touche de déplacement. Quoi? Ce que ça veut dire, ça quoi, on pouvait faire deux fois action marché double appui pour esquiver. Fais voir, je sais pas ce qu'ils veulent dire, je sais pas ce qu'ils veulent dire. Ah, mais putain, là, genre, ça donne envie de jouer au clavier, mais bon, c'est tellement j'ai pas envie de m'embêter en fait. Défi mythique des fresques. Réglage de guidage. Ah, regardez, vous avez des aides. Vous pouvez faire apparaître des aides. Cool. Ah, ils mettent l'emplacement des boules. Aussi. Cool. Permet au feu de rester allumé après les tentatives. Ah, c'est pas ça aussi. C'est vachement bien. C'est vachement bien. Il y a plein d'aides. Il y a vraiment plein d'aides. Ah, c'est comme ça qu'on fait le mode photo. Sympa. Oh là là! Ah mais je vais pas jouer à la... Je vais pas jouer au clavier souris quand même. Ah, qu'est-ce que c'est pratique! Pourquoi des fois ça me sort l'épée, des fois ça me sort la hache en fait, je comprends pas. Parce que ça c'est... Et après, ça c'est les attaques spéciales. Enfin bref, allez, on avance. Désolé, mais ouais. Et là je pourrais. Là il faut vraiment que je fasse un sprint pendant très longtemps en fait.
Ah, ça va me... Ça va me dégoûter, quoi. Ou alors, ah, peut-être que si je mettais le dash sur une autre touche, en fait. Ouais, mais je vais le mettre sur quoi? De toutes les touches à son prise. C'est trop bien de jouer à la manette avec les touches limitées. Ah, tiens, c'était un truc de minuit, en plus. J'avais même pas fait gaffe. Trop bien. Trop bien joué, regarde. Ah. Ceux qui vont mourir te saluent, César. Non mais lâche le mur. Pourquoi on a des feux là? Ça sert à quoi? Ah. Monte! Merci. Ok, je crois que ça c'est juste pour passer en fait. Du coup on a débloqué quoi ici? Ça sert à quoi de venir? Aucune idée. Aucune idée. Ouh, c'est... Les nombreuses têtes de l'hydre. Oh non. Ça a l'air marrant. Non, par contre, je n'ai pas regardé où il y avait un coffre. Ah, ça me frustre. Hein. C'est pour ça, hein, des fois, c'est chiant de jouer à la manette. Parce que ça vous limite, en fait, dans vos facultés de combattre. Parce que là, j'ai envie de dire, à la limite, l'épée, elle sert presque à rien, en fait. Le coup des orbes, là. Le coup des orbes est vachement super bien. Mais on a du mal à le sortir à cause de la manette. Tiens, on n'a pas lu ça. Arès utilisait sa salpinx pour déclarer la guerre, hein, signaler sa présence sur le champ de bataille et réveiller Athéna lorsqu'elle faisait la sieste. Ouais, non, ça c'est très très emmerdant en fait. Très très relou. Extrêmement relou. Non, non, c'est pas grave. Pas grave, on joue comme ça. Putain, merde, y'a deux coffres. Yeah.
Ça, honnêtement, d'où jouer au clavier, il faudrait que je rebind tout. Je sais que Shaina, il a fait tout le jeu au clavier. Faudrait que je rebind tout. Mais j'avoue que le fait de pouvoir sprinter quand on veut, ça change la vie en fait. Au lieu de tout le temps. En plus, dasher, on est limité à 5 dashs d'affilée. Donc, à chaque fois, ça bouffe un dash en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Non, je sais pas. Je sais pas ce qu'on pourrait faire à la place. Il y a l'autocourse. Ça sert à rien. Ouais, elle marche automatiquement. Je peux lui faire des dashs en arrière. Ok, stop. Je sais pas. Bref. Je verrai pour le prochain épisode. Je pense pas que je le ferai quand même. Il y a des nuages noirs un peu partout. Sérieux là? Ça one shot ou pas? Ah putain, c'est pas fini, d'accord. Chaud quand même. La seule chose que je vois, ce serait de me prendre une manette. Je crois que c'est les manettes Elite de Xbox. Avec les touches en plus. Vous savez, avec les index derrière. Les majeurs plutôt. Avec les touches à l'arrière. Mais bon, après, ça va dépendre après du jeu. Est-ce que le jeu fait ça? Ah, faut que je demande à Shaina. Shaina, il connaît plein de trucs sur Xbox. Enfin, sur Microsoft en général. Là, ça pourrait être pas mal de pouvoir, en fait, sprinter quand je veux et rester à la manette. Ouh, il est décoré, ce cheval, ou quoi? Il a une selle, ou c'est moi qui... Oui, bah oui, on dirait un cheval de guerre. Paragon. C'est sympa ça. Bon ben, t'as fait ton temps, Pégase. Là. Pégase, pas cher. Héraclès, c'est qu'un.
Cette monture peut porter l'équivalent de 5 mortels, mais pour aller vite, mieux vaut se limiter à 1. Là, d'où tu vas? Où tu vas? Où tu vas? Faut voir là. J'ai rien dit, on l'a fait. Attends, c'est où là? On l'a fait. Ah, ok, c'est bien ce que je pensais. Je me suis dit, attends. On est sorti de la zone en fait. Allez mec, bonjour. J'ai défoncé la harpie en même temps. Ouais, j'ai dû défoncer la harpie en même temps. Ah! Ok, il faut 4... 4 cristals. Ok, à chaque fois il y a des tombes. Ça marche, ça marche, ça marche. Go, go, go. De deux. Je me suis dit aussi, il y a quand même quelque chose à faire dans ce temps. Alors, de deux. Celle-là, on l'a sûrement pas faite. On a fait sur la... Ouais, ça s'est fermé. On a fait celle de droite. Ah, faut que je demande à Shayna, là, pour les manettes. Ok, ça a marché. ça a un peu brûlé, mais ça a marché. Ok, donc tout à droite. Là, on l'a faite. Donc là, parfait, c'est là. Attends, fais voir l'endurance un peu. Ok, go, 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 go. Nickel. Putain de... Je faisais que attention au laser ici en fait, j'ai pas vu... J'ai cru que c'était de la décoration, j'ai pas vu que c'était des visages de laser. Oh la vache quoi. Ça va, on va y crever. C'est assez violent. Peut-être reconnu, ceci est consacré à Cycnos, le cruel fils d'Arès. Pleurnichard de Cycnos, il s'est fait battre par Héraclès et depuis Arès est furieux parce que j'ai refusé qu'on organise une revanche. Et Cycnos en est devenu vindicatif. Il a pris la sale habitude d'ériger des temples à l'aide des ossements d'innocents voyageurs. C'est pas sympa. Alors... Voilà. Deux, un, trois, deux, trois, quatre. Voilà. Putain, chaque fois faut que j'écrive. Deux, un, trois, deux, trois, quatre. Alors c'est bon. 3, 2, 3, 4. Ok, cool. Let's go.
Let's go Mario. Parce qu'on peut remapper en fait plein de touches. Mais après, la question c'est est-ce que le jeu va les prendre en compte les touches supplémentaires des nouvelles manettes là. Après, je me dis que je peux toujours. Vu que c'est sur PC, on peut toujours utiliser un programme tierce en fait pour calquer les touches de clavier sur la manette. Je peux faire ça au pire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on peut toujours se. On peut toujours faire un truc quoi. 1, 3, 2, 3, 4. Celui-là. Non, celui-là. Non, ah putain, je sais pas. Celui-là. Yes. On va faire ligne droite à la forteresse. C'est pas ça que je vais faire. Voilà, putain, mais je vous emmerde. Pardon, excusez-moi, je m'énerve. Le héros qui s'énerve, quoi. Vous imaginez le héros et tout qui parle comme ça au bout d'un moment s'il s'énerve. Ah, c'est pas digne d'un héros, bah non. Pas du tout, même. Ça va? Je suis des bestioles ici. Bonjour. Pute quoi. Ok, c'était pas si mal. On a fait des trucs sympathiques d'attirer les ennemis et tout là, c'était marrant. C'est ta forteresse? Je ne règne plus sur la basse-cour, souviens-toi. Tu seras le roi de ce château dès qu'on aura repris ton essence. Si c'est le cas, les dieux en feront des bons de joie. Ah!
Aphrodite mariée à ce taré d'Héphaïstos. Enfin, il paraît qu'il peint avec les doigts maintenant. Et puis Zeus me déteste. Mais pas du tout. C'est juste que je préfère la stratégie d'Athéna, sa maturité, et puis la musique d'Apollon aussi. Ah, on dirait mon père. Ah. Arès, regarde-toi, là. Le voilà, le vrai toi. Tu te moques de ce que les gens pensent. Tu agis. Tu rases des villes entières quand tu n'obtiens pas ce que tu désires. Tu protèges ta famille et ta population aux dépens de tout le reste. Tu es un gros dégueulasse. Wow. Et tu as toujours été mon préféré. Ils sont bizarres, tes goûts. Allez, on va ouvrir cette porte. Tu viens avec moi ? Quoi, là-dedans ? Ah, mais non ! Si l'ancien moi a réussi quelque chose, c'est bien de verrouiller la forteresse. Elle est parfaite. D'accord, d'accord. Je vais trouver ton appareil de suivi et ressortir. Reste à l'abri. Il faut quand même que tu saches que l'endroit va grouiller de sbires de typhons. Ah ouais. Voilà une autre de mes bénédictions, Phoenix. Puisse-t-elle t'aider encore une fois. Ah, j'espère qu'il n'y aura que du combat, genre 100% combat. Je suis avec toi. Tiens donc. Non. Je ne connaissais pas Arès comme ça. Je l'ai peut-être mal jugé. Toi, le grand et puissant Zeus, impossible. Non, mais t'es pas avec moi. Hein. Alors, vas-y, fais voir. Fais-moi rêver. Reconstitution de la puissance des ailes de Dédale après un achèvement de combo à la hache ou à l'épée dans les airs. Oh, ça, c'est utile. Ah, est-ce que là, elle dash deux fois? Genre là... Hop, dash, combo, dash, cool, ok, ça c'est utile aussi. Hey, t'es cool Arès. Attends, on va venir en cheval, ça fait stylé. Hey les mecs. Alors, je vous laisse 5 secondes, vous pouvez déguerpir ou mourir, c'est votre choix. 4, 3, 2, 1, ça marche. J'arrive pas à faire mes pouvoirs. Voilà. Suivant. Oh merde. Poulet, c'est bon, on a défoncé tout le monde. Ah, il fallait peut-être faire ça avant. On a défoncé tout le monde avant. Normalement, je voulais faire Le courroux d'Arès en plein milieu, j'ai fait le bouclier à la place, je sais pas, il voulait pas sortir. Wow, c'est ça la musique. Oh merde. Plein de monde. Oh, let's go. Let's go, il y a plein de monde. D'Ajax. On dirait vraiment qu'il meurt d'envie de se faire braquer Arès à garder tout son butin à l'intérieur comme ça.
Tu ne chercherais pas à justifier tout ce que tu lui as dérobé? Oh, tout de suite. C'était pour me rembourser ses frais d'éducation. Yeah, let's go, suivant, suivant. Ah, c'est vraiment cool par contre le double dash. Pas le double, le dash après un combo. Vraiment sympa. Ça me permet de continuer en fait les combos et tout ça, vu que le dash en fait reset les combos, je crois bien. Donc ouais. On va aller là-haut parce qu'il y a un coffre. Là ? Ok. Qu'est-ce qu'on fait ? On monte encore ? Arès, c'est ta forteresse, hein. Tu pourrais quand même m'aider. Hein. La manière, c'est tout en haut. Oh, c'est chaud. On va y arriver, hein. J'ai le pressentiment que je fais ça pour rien, mais... J'entends un truc derrière. Lâche la paroi. Lâche. C'est moi qui appuie trop sur les touches, désolé. Je sais pas du tout où est le coffre. Ah là, dans cette salle en fait. Ouais. Nickel. Qu'est-ce qu'on fait? On change le skin du marteau ou pas? Si on utilise ça maintenant, on va voir le style. Ah, comme ça. On a tout comme ça, hein, c'est ça? Ouais. Très bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Faut que j'enlève les marqueurs. Ok. On va aller sur la place principale. Donc c'est quoi? C'est accéder au,
trésor d'Arès en activant les mécanismes de la forteresse. Ça marche. Bonjour. Bien joué. Fais l'oiseau, putain, avec le le problème des escaliers. La différence de niveau, en fait, il était caché et l'oiseau et la prise. Avec les rochers, tout ça, en fait, est très très précise, j'ai envie de dire. Il faut vraiment que on soit une certaine distance et que la cible soit exposée et tout, quoi. Vous pouvez pas faire l'oiseau. Quand je voulais, en tout cas. J'ai vu des lasers sur les... Okay. Par contre, un truc, c'est... Ouais, non, il faut toucher quand même. Go. Ah, là, ta maman. D'accord. Les trucs en haut sûrement. Ça aussi c'est timé. Ah, tu veux que je prenne des objets de l'extérieur? Enfin, je sais pas. Il y avait un objet, je l'ai détruit, c'était un tronc d'arbre, c'est bien. Tout au-dessus. Non, il nous faut un truc en plus, c'est pas beaucoup. Il nous faut un seul objet, parce que nous, après, on peut faire un double.
rien du tout, quoi. Attends, oh là là, ça va être la galère pour l'amener. Putain, je suis tombé. Putain de toi, quoi, de jeu. Oh là là, Phoenix. On peut couper celui-là? Non. Non ! Les mecs, vous avez pas un rocher ? Il y a plein de gravats, il y a pas de, il y a rien du tout. Va falloir que je fasse quoi? Que je casse plus de choses, c'est ça? Ah, caillou. Excusez-moi, hein. Perds patience. Perte de patience. Nique ta ma mère. Nique ta ma mère, voilà. Par contre, tu vas pas me dire que... Pas merde que le truc il casse, hein, parce que là... Peau de guerre. Eh ben putain. Ah, t'es sans déconner. Allez, on va aller tuer des gens, ça va me remonter le moral. J'allais dire, on devrait scanner la forteresse. J'ai un tremblement. C'est à combien ça? 400. J'ai eu un tremblement. Désolé, regardez pas, regardez pas. Bon, merde. Il doit être extrêmement loin si le truc il met. S'il faut être au millimètre près, quoi. Ok, on va faire ça.
tu m'as touché, toi. J'avoue que l'attaque chargée, moi je l'aime bien cette attaque là. J'avoue le fait qu'elle fasse un peu plus de dégâts là, d'étourdissement, c'est sympathique. On va dire que ça colle bien à mon gameplay. Ok, donc faut faire tomber. Ah, là-bas. Ok, ça c'est pour bloquer. Oh là là, oh, qu'est-ce que ça a l'air relou. Putain, on essaye juste de faire... passer un cube, c'est chaud quoi. Et du coup on le met où le cube? Enfin on le... dans le bordel là, dans le puzzle là, où est-ce qu'on l'insère? Ah peut-être ça. Là-haut? C'est sans déconner quoi. Attends. Faut le tirer là. Non! D'accord, j'ai compris maintenant. Ok. Oh la pute, quoi. Arrêtez. Je me disais, pourquoi il y a deux leviers sans superposer, en fait? C'est pour éviter qu'il retombe tout en bas. Alors, attends. Non. Ça, ça bloque. Ça, ça bloque le bas. Ok, donc faut activer celui-là du bas en premier et après celui-là du haut pour le faire passer, pour le récupérer. Putain, c'est la merde. C'est tout timé en fait. Faut pas qu'elle s'accroche aux parois. Faut vraiment pas qu'elle s'accroche aux parois. Phoenix, là, il va falloir quand même que tu joues un peu avec moi parce que là, ça commence à... Ça commence à être un tout petit peu énervant. Alors, d'abord celui-là. Celui-là. Après, je vais où? Ok, je l'ai eu. Phoenix, faut lâcher les parois parce que là, quand même, au bout d'un moment, il va falloir arrêter. T'es pas Spider-Man, ça commence à être relou. Voilà. Mâchoire de guerre. Bon, Arès, ta forteresse, elle était sympa au début. Là, elle commence vraiment à me taper sur le système, par contre.
mon dieu. Oh mon dieu, que ça va vite me gaver. Ok, il y a des lasers partout. Pourquoi j'aurais besoin d'un cube ? Pourquoi j'ai besoin d'un cube ? Il est passé, le mec est mort. Il y a un enchaînement que j'aime bien maintenant, c'est ça. Non. C'est tac, 3. Ça et ça. Avant c'était 4 épées, comme ça. Et après la hache, on finit avec la hache. Et maintenant c'est 3 épées, une fois la hache et après maintenue. 1, 2, 3. Hop, et on maintient. Pour faire le fracassement en fait. C'est pas mal. Pas mal comme combo. Ça me rend fou. Non, ça me rend fou là par contre. Oh là là. Je crois qu'il me faut la caisse pour ça. Après, on active le bouton qui va. J'en sais strictement rien. Qu'est-ce que j'en ai à foutre des lasers sur la droite là, la gauche pardon. Qu'est-ce que j'en ai à faire moi des lasers? Genre si j'ai pas assez d'endurance pour monter, on peut monter par là, c'est ça? Et du coup il y a les lasers et c'est embêtant. Je crois que c'est ça. Où est la boîte? Je suis sûr que je suis en train de faire des choses dont j'ai pas besoin. Là-bas, il y a aussi un truc. Ah, il faut deux cristals. Ok, ça va. En fait, on a... J'ai fait les choses plus rapidement, je crois. Aller faire l'autre côté. J'ai dit qu'on pouvait aller faire l'autre côté. Je sais pas comment on y va. Là. D'accord, c'est pas du tout ça que je vais faire, c'est ça. Mais bon, pas grave, pas grave, pas grave. Waouh. Des fois, je me demande vraiment si ce serait pas plus efficace de jouer à clavier-souris. Hein. Donc je me prends la tête.
Mon intention n'était pas de dénigrer Arès. C'était surtout pour s'amuser. Il n'a peut-être pas vu les choses sous le même angle que toi. Il a bien vu que je souriais quand même. Et lui, est-ce qu'il souriait? C'est quoi le rapport? Ah, bravo le père. D'accord. Ben voilà pourquoi c'est aussi compliqué. On dirait Léo Dagan qui parle de... Ah, comment ils s'appellent les deux? Gauvin et Yvain. C'est marrant. Ces portes-là, elles sont... Là, elles sont... Ça pour faire quoi? Oh. Ah, ok. Ça va, on progresse, on commence à comprendre en fait ce qu'on est en train de faire, c'est bien. Il fallait un petit moment, hein, mais c'est marrant, hein, de cet endroit-là en fait, on joue dans la forteresse géante surtout quoi. C'est vrai qu'elle est méga grande quand même. C'est tout ça. C'est presque la moitié en fait de la zone. Ouais, je vais faire le coffre. On entend une bestiole qui arrête pas de gueuler depuis tout à l'heure. Bon les mecs. Pareil, hein, vous avez 5 secondes pour déguerpir. Donc 3, 2, 1. Allez, on y va. Ça va bien jouer. Donc on a combattu un mec et tout le monde a bouffé les lasers. C'est original comme stratégie. C'est très original comme stratégie, bien joué les mecs. Pas mal. J'ai essayé les attaques pas chargées. J'avoue quand même que niveau étourdissement, c'est nul. Hein. Ah oui, non, les versions pas chargées, elles sont un peu pourries quand même. Non, enfin, même pas un peu, elles sont très pourries. Les versions pas chargées sont extrêmement pourries. Si on parle d'étourdissement. Il faut vraiment à chaque fois charger. Par contre, il y a un truc un peu chiant, c'est que quand on s'accroche à un ennemi, qu'on se traîne en fait, pour aller directement à l'ennemi, elle plane un peu du coup, parce que bon, elle se tire. Donc il faut attendre un tout petit peu pour qu'elle retouche le sol pour qu'on puisse faire l'attaque chargée. Parce que sinon, ça fait genre le bouclier ou le courroux d'arrêt, ça fait la version rapide. Genre comme ça, là. Il faut se attendre un peu et là, on peut le faire.
J'ai vu l'autre venir dans mon dos, je me suis dit, on va faire un coup du bouclier, la zone, le deuxième, le choc en fait, va le toucher. Comme ça on n'en parle plus. Okay. Il faut mettre des boîtes. Elle est où la deuxième boîte? Ah, là. Sûrement. Par contre, si c'est une... il y a une harpe, du coup, on va devoir sortir et re-rentrer. Ça va être le... Allez, on va peut-être mettre fin à notre épisode, du coup. On va écrire la harpe. 1, 1, 4, 1, 4, 2, 3. 1, 1, 4, 2, 3, je crois. 1, 4, 2, 3. Ouais, c'est ça. Bah, du coup, je pense que ça sera la fin de notre épisode. On peut se téléporter dans la... dans la forteresse, donc ça va à la limite. Bon, ben rappelez-vous, hein, clavier souris, c'est peut-être mieux. Enfin, non, c'est mieux, honnêtement, pour combattre. Niveau gameplay, c'est mieux. On peut les revendre ces pièces. On peut en faire quelque chose. Nickel. Non. Ah putain, c'est le tigre. Ça va. C'est fun, le fait de combattre dans cette forteresse. Tu as de l'électrum qui te... Oh là là, tu peux me lâcher la grappe 5 minutes. C'est aussi une différence maintenant, on est extrêmement puissant, mais c'est parce qu'on a plein de potions et tout de côté. Aussi. Donc on peut se permettre de faire un peu n'importe quoi, enfin de faire n'importe quoi, façon de parler. Hein. On défonce tout le temps tout le monde, hein. C'est pas comme si on faisait n'importe quoi, on crevait quoi. Mais c'est parce qu'au début on a fait beaucoup attention, genre avec les deux sets d'équipement et tout ça. Parce qu'il y a des gens souvent qui ont dû penser, ouais ça sert à rien, c'est pas utile. Non, vous pouvez faire le jeu sans, mais j'avoue que le fait de pouvoir utiliser notre équipement là, indemne, et de one-shotter les trucs la plupart du temps, genre 90% du temps, ça nous a permis en fait de pas trop combattre, de moins combattre, et du coup d'économiser énormément de ressources, donc voilà quoi. C'est genre là, les potions de soins, voilà, c'est, hein, on a 700 quoi, grenade. Après on est remonté en objet, en figue de l'Olympe, donc potion d'attaque et tout. Donc on peut maintenant se permettre d'aller comme un peu un bourrin, quoi. Comme je dis. Et puis même si on utilise beaucoup plus de potions, on peut le faire, parce qu'on a une réserve énorme. Donc ça, c'est cool. Ça, c'est bien aussi d'avoir un peu de stratégie pendant un moment. Là, maintenant, on y va bourrin, mais ça passe très bien. Bon, du coup, je sais pas pourquoi je regarde ça. Ah oui, la vie. Ah!
cherches à acheter quoi que ce soit, dis-le-moi. Qu'est-ce que tu as en tête? Rien du tout, on n'a pas assez. On fait voir un peu ce qu'ils disent. Tu seras fier de moi, je crois. C'est ce que nous allons voir. J'ai préparé tout un plan pour rendre à Héphaïstos sa vraie forme, et ce plan s'est déroulé sans un seul accroc. On m'a plutôt parlé d'une explosion de forge, d'automates maléfiques et d'Hermès qui retrouve un Héphaïstos perdu, sans quoi aucune trace de toi. Ah, oui, dit comme ça aussi. Enfin, au moins, il y a de l'espoir. C'est gentil de le dire, mais je n'en suis pas sûre. Si, si, littéralement, tu as ramené l'espoir. Ce n'est pas si mal. Waouh, sympa. Merci, Hermès. J'ai toujours des oiseaux dans les cheveux. Ils doivent continuer à chercher. Ah merde, je peux pas leur parler, folle. Tais-toi. La lance d'Arès en cas de besoin. Tais-toi. Si on en savait davantage sur les projets du typhon. Ok. Toi aussi, tais-toi. J'ai retrouvé mes souvenirs. Ok. Mais impossible de me rappeler la date de l'anniversaire de ma mère. Merde. Putain, on est deux. Oh la vache. À la prochaine, ciao.